Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir Strike Force Heroes. Alors, en gros, c'est un jeu à la Metal Slug en version moderne, et vous allez voir, c'est particulièrement joli, quoi. Allez, on va tester ça. Alors, on se retrouve en jeu, et je vous ai coupé la cinématique d'intro. On était un scientifique dans une base, on a fait une espèce de formule, et à partir de ce moment-là, la base s'est fait attaquer, quoi. Donc voilà, il y a eu une explosion, et on va tout voir ensemble après, quoi. Alors, on peut, voilà, regarder bien autour avec sa souris... Ça doit jouer à la manette en réalité, hein. Bon là je fais au clavier souris mais... Et hop, on peut se faufiler, y a rien à faire, le gars est... Il fait des choses directes quoi. Arrêtez d'hurler dans ces micros. Boum. Bon là pour l'instant on n'a pas d'armes mais ça va vite arriver. Elle est là. Voilà nos ennemis donc il va y en avoir partout. On récupère le gun et on va aller tirer dans cette porte pour qu'elle s'arrête de bouger et on va descendre. Je le fais vite, hein, mais bon, normalement, il vous laisse chercher quoi. Hop là, donc on se fait mal. Logiquement, vous savez ce qui va se passer. Voilà, le medkit. Alors, je sais pas si on se met à découvert, est-ce qu'il nous voit? J'ai pas pris le risque. Hop là. Et nouvelle arme. Alors, on va changer d'arme. Et vous voyez, plus on vise loin, plus ça se, enfin ça s'écarte quoi. C'est moins, enfin moins précis, on va dire. Hop. On y va. Bon, et là vous allez voir que ça va vite tourner au vinaigre. Hop. On va aller mettre une combinaison. Apparemment, il y a du gaz. Et oui, je trouve ça très joli, c'est fluide et tout, quoi. Et vous allez voir que dans quelques secondes, il y aura plein de gens autour de nous. Ça devient vite le bordel, quoi. Alors, on va aller se planquer un peu, parce que... Oh... Ah... Vous êtes beaucoup trop nombreux. Ils m'ont buté. Franchement, je sais pas comment faut faire, en réalité, quoi. Ah, ça y est, enfin nos copains arrivent. Aidez-moi. On en a eu une plus. Un autre de plus. Est-ce que on a de la vie quelque part? Voilà de la vie. Oh, j'avais pas vu, je croyais que c'était un gentil. Pourquoi j'ai plus de munitions? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est possible, j'en sais rien. Hop là. Bon, on va aller chercher des munitions. Voilà. Hop, on nettoie un peu la zone. Heureusement, il y a des copains. Nickel. Rêve. Bon, dès qu'on est plus tout seul, ça va beaucoup mieux quand même. On avait de la vie juste en haut. Est-ce que ça prend pas pour la prochaine partie? Tiens, crève. Hop là, ça aurait dû passer au score du dessus, quoi. Je crois que c'est nous, ça. Et ça, c'est notre personnage. En gros, c'est le scientifique qui était au début. Oui, maintenant, avec sa combinaison, vous le reconnaissez plus, quoi. Et à partir de là, ça va être de la découverte. Je n'en ai pas vu plus. Bon, j'imagine qu'on n'a pas été bon, déjà vu qu'on est mort. Ouais. On gagne des sous. Alors, j'ai vu qu'il y avait ici un truc avec des héros. Alors, on va garder ça. Mais j'ai pas l'impression que pour l'instant, on ait récupéré quoi que ce soit, quoi. Oh, passive skill. Un niveau 4. On est level 1, ok. C'est plutôt cool. J'aimerais bien faire la deuxième partie de la campagne. Du coup, c'est parti pour Rébellion. C'est un vilain, du coup. What could be so special about a small fishing village in the middle of nowhere?
que je me dis que ce ne sera pas un simple village de pêcheurs. Bon, je vous avais pas laissé la première cinématique, donc c'est un peu étrange de laisser la deuxième, mais bon. Vous aurez vu un peu plus l'ambiance du jeu quand même. Mais la première, c'était vraiment le gars qui faisait sa fiole et ça explosait d'un coup. Riggs, le commando. Shadow, le ninja. Pas Todd, le médecin, quoi. Et le gros bourrin. Parce que là, jusque-là, on joue un scientifique, on va peut-être pouvoir choisir. Moi, j'ai pris la classe soldat, je crois. Oh, donc nos potes sont là. On doit détruire 30 ennemis. Nickel. Oh, il y a de la vie. Où sont les vilains? En dessous. Pourquoi il est... Il était enfin transparent, non? Ah non, il va encore me buter parce que je me suis écarté. Oh la vie. Oh. Oh le snipe il fait trop mal. Je le veux. Des munitions. Ok, on en a buté un. C'est une blague. Hop là, on a récupéré la vie. Ah mais c'est un copain. Bon, on leur pique la vie au pire des cas. Reviens. Ok, il est au-dessus et il est énervé. On a de la vie. Comment il peut être invincible comme ça? Bon, je l'ai eu. Enfin, je crois. J'ai pas regardé en haut. Ouah, mais il a une espèce de gun au-dessus. Ah ouais, mais moi j'ai que dalle en fait, d'accord. Donc c'est ça les fameuses compétences, eux en ont déjà. Mais du coup, c'est des humains? Ou c'est juste des bots qui émulent le truc? Je crois qu'on a gagné. Hein. Victory! Hop là! Bon, est-ce que j'ai participé un peu à cette victoire ou pas du tout? Et je ne sais pas. Léonax, 6-6. Ah, c'est pas ouf, hein! Bon, mais écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Je pense vous avoir montré l'esprit du jeu. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.